Salut les amis, Mr. P, c'est la catastrophe. La catastrophe totale. Je vais de découverte en découverte. C'est vraiment la catastrophe. Je vous explique. Dans la précédente vidéo, je parlais du changement de cette roue qui à la base était défectueuse, qui était abîmée, je vais vous montrer là. Oui. Elle était abîmée du fait que le moteur du groupe café avec était tombé en panne et du coup lorsque le moulin que voici avec ses meules broyait du café, il ne pouvait pas éjecter le café qu'il broyait. La machine étant chez le client, ils ont insisté par plusieurs fois, donc du coup, ça a bloqué au niveau d'ici. Ce moteur-ci, voilà, c'est honte d'entraîner cette roue. Si l'entraînement se fait par là. Et si on entraînait cette roue-ci, voilà, abîmée, comme vous pouvez constater. C'est vrai que ça fonctionnait, mais moi j'avais peur d'avoir des problèmes de raté. Donc j'ai préféré le changer. Donc j'ai commandé 7 euros. Vous pouvez voir les toupes blanches là. C'est la usagée. Donc j'ai tout retiré, j'ai monté. Sauf que ça, il a bloqué. Il y a cette vis-ci avec cette tête. Un écrou qui a cassé. Quand j'ai essayé de le retirer là, parce que c'est avec ça qu'on fixe les casses à l'intérieur du truc en laiton. Moi, je suis bloqué. Première chose. Deuxième chose, il y a ça qui ne sort pas. J'ai essayé, il ne sort pas le showbiz de le forcer. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hein. Je vais montrer, je ne sais pas trop. C'est ça l'intérieur. Vous pouvez le voir. Voilà, c'est comme ça. Là, je suis bloqué, donc je vais pouvoir le changer cet élément, mais j'ai plus de vis. Je sais pas où je vais trouver une vis comme ça en laiton, parce que celui-ci l'a coincé à l'intérieur. C'est pas fini. Donc je vais devoir commander cette pièce si je suis le fabricant. Et il faut compter peut-être 2 semaines encore. Voilà. C'est ça les aléas de la maintenance. Bon, je vais laisser tomber et je vais réparer celui-ci. Je vais réparer ça. J'ai reçu les capteurs que voici, mais j'ai pas reçu le moteur. Donc, je vais essayer de changer le capteur et voir si ça fonctionne. Parce que moi, j'avais pris le soin de commander tout l'ensemble des pièces détachées pour être assuré. Voilà les amis, donc pour ceux qui souhaitent éventuellement être assistés pour la réparation de le distributeur automatique, n'hésitez pas, c'est possible de réparer. Hein. Que d'acheter le système complet qui coûte une blinde, on peut réparer et acheter que les pieds détachés. Voilà. Donc je vous tiens au courant pour la suite, ouais c'est sale partout. Je ne savais pas si c'était assez compliqué, donc il y a tout qui est là. À très vite les amis.